Alors, bonsoir, Monsieur Rahmani. J'aimerais bien que vous nous parliez de la présidence aux yeux du FFV, le commandement et le futur système FFV, son impact social, surtout en termes de lobbying existant. Merci. Abdel, il faut acheter le livre qui va sortir en juin. Barque. Mais je vais vous dire une chose. C'est un modèle de gestion autocratique, intransigeant, infernal pour les criminels, infernal pour les traîtres, très clément envers les Algériens. Ce qui est sûr, on ne peut pas se laisser faire parce que les traîtres arrivent, ce qu'on appelle, dans les ouvertures. Plus on a d'ouvertures, plus on a les traîtres, plus on a la couille. Par exemple, qui m'a coûté le tous les partis sont dissous, tous les présidents de partis résidents surveillés, et au cas par cas, qui m'a Sarkozy, les émigrés, au cas par cas. Qui n'a pas qui félicite les talibans, qui a le pouvoir en Afghanistan, qui n'a pas le pouvoir en tant que مسؤول à la Amr al-Bilad, si moi j'y arrive, si moi j'y arrive, c'est direct, arrestation dans les 24 heures. Arrestation dans les 24 heures. Et toute personne qui va aider Moukarib Chouchmi le bled sera abattue. Sans jugement. Il y a un imatel qui est connu, il y a la cache d'aide ou dit l'information. Diwana, le policier, beaucoup arrêté, condamné à mort pour haute trahison. Aussi simple que ça. Le monde, Zbala Kbira. Des guerres à tout, c'est le pistache une guerre, les Américains ou l'Iran. Le pistache une guerre. On a réussi à nous là, chez les coffres de l'Hlib, d'ailleurs, aucune potentialité, d'ailleurs, on a fait le charge. Je ne suis pas démocrate, je ne suis pas démocrate. Goulou Hatsi, des autocrates, dictateur, carfos, et en plus, extrême droite. Il y a un patriotisme, nationalisme avant tout. On a extrême droite. Autocrate, dictateur. Je ne suis pas démocrate, bien sûr. Barque. Mais vous les composez, je vous promets une chose. On aura les meilleurs services de l'enseignement au monde. On aura les meilleurs services de l'enseignement au monde, offensif, défensif. Et dans toutes les spécialités, on aura un vrai service d'intelligence. Ah, Issam Hamish. Bonsoir, M. Rahmani. Que pensez-vous du docteur Saïd Saadi concernant son parcours politique et intellectuel? Je vais vous répondre. Sur le plan intellectuel, c'est un homme de lettres. Sur le plan de son parcours politique, c'est un sans-couille. Bonsoir, M. Rahmani. J'aimerais bien que vous nous parliez de la présidente Adjo, parce qu'elle est là. M. Rahmani, nous avons une certaine souveraineté, nous, libres dans nos choix. Nous n'avons pas une base militaire étrangère. C'est vrai, les révolutionnaires n'ont pas gardé le pouvoir en 62. Chaf. Kitre d'Andek. 150 milliards de dollars de réserve de change. Ou Andek Mouchkoutsa Rahlib. J'aimerais bien savoir, elle est où la souveraineté, M. Nazar? Attention, c'est un leurre. C'est un vrai leurre. M. Rahmani, si vous aurez le pouvoir en Algérie, Inch'Allah, supprimez-vous tous les partis politiques. Je vous observe à CRB Escada, qui est selon dissous. Dissous, les partis sont dissous. L'RMD de la FLN, contrôle fiscal, le Facebook. Bien sûr, M. Mounadel, il y a donc les jazz ou les mains. Chauffe. Mais je ne veux pas dire. Je ne suis pas censé le dire. Comment vous allez vous emparer du pouvoir en 2024 dans un milieu de fraude? Chauffe à Friman, c'est très simple. Il y a un problème entre les intérêts. Il y a un problème entre les intérêts. Mais il y a un problème assez madani. Slah, slah. Maslach. La rame. Après 2024. Un Algérien lui soit plus de 5 euros.
كيما العراقي والعراقيه ديزور ويسور. Est-ce que vous croyez à la transparence des élections en Algérie pour estimer vous présenter au tirage كي يتغيروا القوانين صوفيان كيماشا يتغيروا القوانين ويتنحشر في يعني تفكرت اسمه هذاك الخوانجي الكلب هذاك شرفي اصحابه يتغير كلش باسكو ما ندخلوش انتخابات بقوانينهم ندخلوا انتخابات بقوانين حنا نفرضوها وما تكونش تاع الصوفيه بيان سور نفرضوها برك قوانين حنا نفرضوها بقوة التنظيم تاعنا بقوة التعبئة تاعنا بقوة التجهيز تاعنا صادير افيك نوتر فورس دورغانيزاسيون افيك نوتر فورس دو موبيليزاسيون نوتر فورس موبيليزاتريس با اون دو امبوزي اي ماتنون سي لو بابل انا جو دوموند او بابل دو رجوندر لو اف اف في برك الباقي بكل خرطين ياسين ايزا لو اف ال ان او موزي من الاخر موزي نو اي باس بار لا كاس بريزون كيما مونوبولي جا لا كاس بريزون صح جو ريكوني با لو اف ال ان كوم بارتي بوليتيك Je ne reconnais même pas le FLN de 1954. Le FLN de 1954, c'est l'organisation spéciale qui a changé de nom. Où sont les fondateurs? Beaucoup d'organisations spéciales ou activement politiques. Donc le FLN n'est pas un parti politique, c'est une chimère. Monsieur Rahmani, il faut expliquer aux gens la différence entre la dictature et la tyrannie. La dictature protège son pays et son peuple et le tyran le détruit. Parce que les gens mélangent entre les deux termes. Mivaski, les gens qui n'arrivent pas à comprendre, il y a des situations où il y a un dictateur, ou là un roi, ou là un chabito, ou qu'il y a des situations où on peut aller à l'ouverture. L'homme en chèque-le, moi, c'est ça, moi, chèque-le, d'où il y a toujours les avoirs de rigel qui m'agrèvent, vous me dites. Dans ce cas-là, il y a des situations où on s'endroge au dictatorial. Mais ça, il y a des situations où le dictatorial s'impose. Mais ce n'est pas la tyrannie. Le dictatorial, c'est un peu, c'est un peu le chèque. نزيد نقطع له رزقه ولا نجوعه ولا نضيعه ونضيع ولاده او كونترير اون سرا راح نكونوا بوكو بلو دور يعني سهله خلاص اشداء على الكفار رحماء بينهم يعني اي فونكسيونير سامي مدير عام كداك داك داك دا يغلط معنا طريق يتر دماغه بصح مع الشعب الضعيف هذاك او كونترير نغطيوه بالجناح الاول ما كفاش نغطيوه بالجناح الثاني سي صح ان ديكتاتور مي سي با ان ديكتاتور حنا كي نقولوا ديكتاتور سي با écraser le peuple pour vivre ou s'enrichir. Non. C'est la dictature de la loi, le texte de loi. C'est-à-dire, la loi et elle est intransigeante, c'est une vraie dictature. Et je préfère préparer le chef de la dictature parce que, une dictature est une dictature. C'est une dictature, le maître de la canonie, c'est pas ça. Parce que le canon, qui met son roi, Voilà, c'est très difficile, mais on essaiera de faire passer ça à l'Mouatinine, à l'Ajahoula, ou à l'Shab, à l'Ajahoula.